Salam alaikum, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la large victoire du Borussia Mönchengladbach 6 à 0 lors de cette troisième journée de la Ligue des Champions, de la Champions League. Donc victoire chez le Shakhtar Donetsk, donc en Ukraine, et notamment avec une très très belle participation, comme toujours, de Rami Ben Sebaïni. Une note de 7,7. Il y a juste deux joueurs qui ont été devant lui et ça a été de grosses notes, hein. Stindl qui a eu, le capitaine qui a eu, je crois, 8,6 ou un truc comme ça. Et Alassane Plea, ancien joueur de Nice, bah lui, il a eu un 10, hein. En même temps, triplé, je crois. Donc voilà, c'est réglé, hein. Que dire de plus? Donc Rami Ben Sebaïni, hein, très bon match, buteur, hein, sur corner. Il s'est repris à deux fois pour marquer. Et donc toujours une valeur sûre. Là, sincèrement, depuis quelques matchs, que ce soit Rami Ben Sebaïni ou l'équipe de Mönchengladbach, ils se reprennent. Ils sont sur une bonne dynamique. Invaincus en Champions League, hein, ils ont 5 points actuellement. Il suffirait qu'au prochain match, ils gagnent contre le Shakhtar, hein, au match retour à domicile, ben, ils auront un pied, trois orteils en huitième. Hein. Ça pourrait se jouer entre l'Inter et le Real, hein, la deuxième place. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. C'est une belle en tout cas, c'est une belle prestation. Ce qui est sûr, donc, très bon match de Rami. C'est de bon augure pour l'équipe nationale aussi. Il ne faut pas se le cacher. Mais en tout cas, attention, il ne faut pas qu'ils retombent dans leur mauvaise période d'il y a quelques semaines. Hein. Déjà, le fait d'avoir joué l'Inter et ensuite le Real, se faire remonter à chaque fois, parce qu'ils gagnaient les deux matchs et au final, ils se sont fait rattraper à la fin. Bon, là, ils ont fait ce qu'il fallait. S'ils gagnent le prochain match, bah, c'est réglé, quoi. Après, il suffira juste de faire un résultat positif à domicile contre l'Inter, peut-être. Parce que, bon, à Madrid, je pense que ce sera peut-être compliqué. Hein. Ce sera peut-être compliqué, donc voilà. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Rami Ben Sebaïni. Là, c'est la mi-temps du match Manchester City-Olympiakos. Donc 1-0 pour City avec un but de Torres. Mahrez, c'est moyen. C'est moyen, mais on ne joue pas avec lui des fois. Donc c'est toujours la même histoire. Hein. On va dire qu'au final, ils ont marqué un but, mais après, voilà, il n'y a rien de spécial. Hein. Voilà, on va dire que Olympiakos défend quand même bien, joue par contre. On va voir ce que ça va donner pour la seconde période et on espère que Riyad va marquer. De toute façon, je vous ferai une vidéo tout à l'heure. Force à toi, Rami. Félicitations pour la victoire et on se retrouve très bientôt, bah, pour la vidéo pour Riyad Mahrez, Inch'Allah. Salam alaikum.